Alors, la science au CNRS, comme ailleurs, ne doit pas être monopolisée par des experts et surtout pas apportée d'en haut aux citoyens qui n'auraient rien à dire et à qui on dirait, ben voilà, la science a été faite, après on a déroulé la technologie et puis voilà, vous avez de nouveaux objets. La question fondamentale qui est à la fois une question à la mode, qui est liée aussi au développement technologique, est aussi une question, je dirais, universelle, complètement inscrite dans le questionnement de l'humanité, c'est-à-dire essayer d'imiter le vivant, qui est quelque chose qui est né depuis l'Antiquité, depuis les premières marionnettes d'Alexandrie, en passant par les automates. Bravo. Savoir ce qu'on veut stocker, c'est difficile de savoir ce qui va être réellement intéressant, c'est difficile de savoir si finalement c'est, il faut stocker 10 liens sociaux et après on s'arrête. Typiquement, pour les gens qui font des relations sociales, non, non, on peut stocker tout, parce que c'est super intéressant d'un point de vue d'études. Cet atelier sur l'univers, de quoi est fait l'univers. Donc la première question, c'est eh bien, dans la cosmologie, notre compréhension de ce qu'est l'univers. Qu'est-ce que vous voyez comme fait marquant, comme rupture, à n'importe quel moment de l'histoire ? Autour du parc de loisirs, c'est une vaste technopole qui s'est peu à peu développée. Il a été le fer de lance du pôle formation. Aujourd'hui, cette possibilité nous ouvre l'aptitude à concevoir ce que l'on peut appeler le plus grand récit du monde. Le plus grand récit du monde, je prends ce mot parce qu'un philosophe qui s'appelait Lyotard, dans les années 60, avait dit c'est la fin des grands récits, vous voulez dire c'est fini l'histoire où on commence avec l'humanité primitive, la féodalité, le capitalisme, etc. Il pensait qu'il n'y avait plus que des petits bouts de fragments d'histoire qui ne pouvaient pas être connus. À partir de ce moment-là, on a vu que la vie, l'être vivant, la cellule, est constituée non pas d'une substance particulière qui serait ignorée de la matière physique, mais exactement de matière physico-chimique qui se trouve dans le globe. Ça veut dire que nous sommes non seulement des êtres biologiques, nous sommes aussi des êtres physiques. Pas seulement dans notre organisation, parce que nous sommes des machines qui fonctionnent à 37 degrés de chaleur, quand nous sommes bien, mais nous sommes constitués de tous ces éléments-là. Et dans le fond, nous découvrons que la différence entre le monde physico-chimique et le nôtre n'est pas de substance, mais d'organisation. L'auto-organisation de la vie est beaucoup plus complexe que l'organisation physico-chimique des molécules et de là émergent des qualités que nous appelons les qualités vivantes, la capacité de reproduction, de réparation, de cognition, etc. Donc, nous pouvons nous inscrire pas seulement dans l'histoire de la vie, mais dans l'histoire de l'univers, de la matière. Et là encore, nous avons appris, grâce aux astrophysiciens, nous avons appris que, effectivement,
effectivement, nos molécules sont faites d'atomes, que l'atome de carbone indispensable à la vie vivante n'a pu que se forger dans une étoile, un soleil antérieur au nôtre, à la rencontre de trois noyaux d'hélium. Donc, si vous voulez, nous sommes le produit d'une évolution aujourd'hui entraînée dans une aventure insensée où nous ne savons pas où nous allons, avec des possibilités inouïes de transformation et des possibilités inouïes de destruction et de régression. Donc, c'est pour vous dire que, dans le fond, si les disciplines s'ouvrent, elles deviennent extrêmement fécondes. Si les disciplines permettent l'introduction dans leur sein d'une connaissance, voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui de la nécessité d'une connaissance transdisciplinaire, non pas qui détruit les disciplines, mais qui en tire la substance pour essayer de nous situer, nous, humains, dans le monde. Sur cette dimension transgressive des chercheurs, parce que souvent, voilà, aujourd'hui la science pour beaucoup d'entre nous c'est de la légitimité, sauf que cette légitimité elle est née d'un combat, souvent d'une obligation de penser différemment. Donc vraiment comprenez que faire de la science c'est une aventure immense de pionniers, voilà, que vous êtes ceux qui allez créer demain ces stratégies de rupture et que vous allez créer ces légitimités, effectivement, qui construiront le monde de demain. Avec mes deux amis, Edgar et Cynthia, c'est un vrai plaisir et je suis vraiment très heureux que Edgar soit joint à nous comme ça pour qu'on puisse avoir cette discussion devant vous. J'espère d'ailleurs qu'on pourra la poursuivre après au déjeuner, etc. Donc ce grand récit que nous a raconté Edgar et puis ces dimensions techniques, éthiques, ces questions de la nature, qu'a ajouté Cynthia, pour moi c'est des sujets de réflexion qui sont extrêmement importants et pour lesquels l'étude de l'histoire des sciences nous enseigne énormément. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus d'enseignement d'histoire des sciences. Je pense que ça serait extrêmement important et en France c'est particulièrement catastrophique dans le domaine en particulier des sciences de la nature, des sciences de la vie. Où on n'apprend pratiquement rien d'historique, c'est-à-dire que l'évolution est quasiment ignorée dans les programmes, la théorie de la sélection naturelle, c'est encore pire, évidemment, et puis quant à l'histoire, par exemple, de la biologie, on n'en apprend rien. Or, il y a beaucoup de choses à vous dire. Je vous engage effectivement à réfléchir à toutes ces questions de science, à réfléchir à la façon dont les visions technologiques qui prétendent être les représentants du progrès vont mettre en œuvre des solutions pour améliorer la situation humaine et la situation de la nature, mais en étant toujours méfiant devant le fait qu'il est évident qu'il est bon de faire ça. Pour les scientifiques des années 30, il était évident qu'il était bon de stériliser les gens qui avaient des problèmes sociaux. Eh bien, aujourd'hui, nous considérons que ces gens se sont lourdement trompés. Et en fait, on s'en est rendu compte seulement après la découverte des horreurs nazies, où on s'est rendu compte qu'on avait oublié la dignité humaine dans cette affaire. On avait oublié, on n'avait pas encore d'ailleurs à l'époque, inventé l'idée de crime contre l'humanité, mais que c'était une notion qui avait manqué dans la réflexion sur ces questions. Donc, on est un certain nombre aujourd'hui à se dire qu'après les crimes contre l'humanité, il ne serait pas inutile d'essayer d'instituer un concept de crime contre l'humanité. Absolument, toujours remettre en question les évidences. Et sur ce plan-là, je crois qu'on va avoir, étant donné les questions environnementales, les questions sociales, les questions démographiques que va rencontrer l'humanité, toute une série de choses qui va être absolument indispensable de changer, et ça sera votre mission à votre génération de le faire. Donc on est content de vous transmettre ce flambeau. On se rend compte que c'est un flambeau un peu lourd, mais on espère pouvoir vous fournir tout ce qu'on peut pour vous aider dans cette œuvre. Voilà, je vous remercie.